Il a utilisé Bébé-City, il a eu bien de cause, il nous a également fait des propositions. De ce côté, Bébé, nous vous donnons une minute pour donner vos impressions sur Bébé-City. Merci. Je remercie beaucoup les autorités d'avoir accepté la mise en place de Bébé-City. Depuis l'arrivée de Bébé-City, particulièrement, moi j'ai été trop content même. Parce que au niveau des câblages de la CED, vous allez voir que les câbles sont tombés. Si vous allez auprès de la CED pour les signaler, ça va faire des mois même. Plusieurs mois, ils ne vont plus être éteints. Alors, à l'arrivée du ministre, on a vu les câbles tomber. J'ai appelé les agents du BDCT, c'est ça, non? La coordination. Ils sont arrivés, ils ont fait la photographie. Ça fait 1, 2, 3 jours, déjà le problème est réglé. Et à partir de là, j'ai vu que vraiment, BDCT, c'est un apprécié. Merci beaucoup. J'arrive aussi donner la parole à un utilisateur de l'application juste en une minute. Monsieur Kikideki va nous dire comment il a utilisé l'application et est-ce que ces alertes ont été résolues. Merci beaucoup, autorité. Vraiment, nous sommes fiers de l'arrivée de l'Université. Le premier jour, quand l'Université était arrivé, nous avons formé dans cette salle et on pensait que c'était quelque chose encore pour vous réunir, voyant les engagements pris par les autorités, l'Université nous a apporté de la joie au cœur. Parce que l'Université, quand on l'a installé, quand on voit quelque chose qui ne va pas, les détroits, les tableaux de la santé, surtout les tuyaux et la qualité de recasser quelque part, on prend les photos, on envoie. Sincèrement, en 72 heures, c'est réglé. On ne sait pas comment la coordination fait pour que ça soit réglé assez vite. Alors, on le félicite beaucoup. Surtout moi, si je vois quelque chose à l'autre, et je vois un Nemocity, je deviens l'athlète qu'on appelle Usain Bolt. Je deviens l'athlète le plus rapide de la planète. Je cours vite, j'alerte Nemocity. Merci beaucoup, les autorités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une grande partie a été résumée. Actuellement, il y a une grande alerte qui n'est pas encore résolue. Je ne m'occupe pas d'informer l'Université. C'est le tout creusé par la CET pour l'installation des routes. On a creusé le tout devant nos maisons. Et c'est resté comme ça. Grandement ouverte et les élèves à son temps de l'école, ils s'amusent. Donc, il faut qu'ils tombent dedans. Il y a les conducteurs des élèves qui ne maîtrisent pas ces chemins-là la nuit. Ils font des accidents, ils tombent dans cette tour. J'en ai fait des photos, j'ai envoyé. On m'a appelé que ce serait fait dès que les photos seraient enlevées. Mais jusqu'à présent, on s'est mobilisé dans les quartiers pour mettre des branches dans les photos pour avertir les gens. Et on prie beaucoup que ça va vite aussi. Merci beaucoup. Merci.